Eh bien bonjour à tous, ici Elec AWS. On se retrouve donc pour la suite de notre épisode spécial numéro 2 de Pokémon de Jumista Sword Officiel, donc tout de deux le surdoué. Alors vous avez vu donc on a un troisième épisode, mais ça c'est déjà le cas la dernière fois, enfin, ça leur comprendra plus tard. Tout de deux le surdoué est en bleu hein, pour dire que c'est l'histoire en cours. Hein. Et le vœu de Kunotor est à une étoile à côté pour dire que l'histoire est déjà faite. On peut leur faire son vœu, bien sûr. Alors du coup c'est parti pour tout de deux le surdoué, épisode numéro 2 les gens. Et ça vous êtes chaud. Alors évidemment pourquoi ça fonctionne pas. Ah. Ah oui d'accord, ok, non mais... du coup on peut pas... Je pensais qu'on pouvait continuer à partir du menu... C'est pas grave, c'est parti, un petit fail dès le début. Donc du coup, eh bien, Toudoudou va partir jouer, et ce sera pas exécuté une bonne fois, ce sera donc avec Armaldo, hein, puisque vous l'avez vu, si vous avez regardé l'épisode numéro 1. Et allez, c'est parti, où vous allez? Bah, à l'abri d'Armaldo, hein. Bon, je sors. A plus tard. Fais attention. Paraît que tu es parti en exploration avec la bande de brutes. Ça s'est bien passé? Oui, oui, tout s'est bien passé. Tout le monde est retourné à la maison à mi-chemin. Smack, ça c'est bien. On s'est fait du mouron pour toi. Hé, hey, Toudoudou, on joue ensemble aujourd'hui? Désolé. J'ai déjà quelque chose de prévu. Quelque chose de prévu? Où tu vas? Dans la forêt glauque. Quoi? La forêt glauque? Bah oui! A plus! Hé, hey, Toudoudou! Tu t'en es bien tiré? Oui! J'arrive pas à croire que t'aies réussi à t'échapper. Je pensais que tu t'étais fait gober tout cru par ce monstre. Bah, quel monstre? Je vois pas de quoi tu parles. Je me suis fait un copain. Un copain? Oui, oui, un copain. Et aujourd'hui, je retourne jouer avec mon copain. A plus. Allez. Bonjour. Ah, tu es là, petit. Vite, on y va, on y va. Inutile de t'impatienter. Avant l'exploration, il faut bien se préparer. Se préparer? Oui. Regarde ceci. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle une statue Kangourex. Ici, tu peux sauvegarder ton aventure et trier les objets. C'est une étape à ne pas oublier lors des explorations. Vraiment? Oh! Hé! Hey, arrête un peu de taper dessus comme ça! Bref. Tu peux choisir les objets que tu as trouvés à la statue Kangourex et les utiliser comme bon te semble. Bien, utilise la statue Kangourex pour t'amener nos coopératives. Oui, compris. Ok, bah du coup, je crois que c'est bon là. Ouais. Ok. C'est bon. Bah c'est bon. Ouais voilà. Hein? Petit, tu as fini ton préparatif? Oui. Très bien. Allons-y. Nous partirons en... nous partons à la recherche du trésor de la caverne de l'Est. Compris petit? Tu n'as encore qu'un novice en matière d'exploration. Ne sois pas si effronté et ne traîne pas dans mes pattes. Oui. Allez, c'est parti. Un top picker. On va donner le ruban pour ça. Du. Là, on peut conclure ça. On peut enlever des objets de merde, des attaques de merde à Armaldo. Il est quel niveau Armaldo? 28, ça va être. Mais on est plutôt pas mal avec lui. Voilà. Bon, avec Armaldo, ça risque pas d'être très difficile. Hein. On va encore faire avec Rapace, avec encore un coup critique, décidément c'est bien.
c'était pas par là. Avec un parbichat. Ok, ça fait pas grand chose, ça va. Je m'attendais à plus en fait, hein, au niveau des dégâts, je vous avoue que je m'attendais à plus. Ok. La suite. Étage moins 2 de la caverne de l'Est. Alors je pense que, comme je vous ai dit dans l'épisode numéro 1, je pense que... Dans la partie 1, pardon. Je pense que cet épisode, ça c'est une bête qui... C'est une bête qui me permet de se réveiller, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais voir ça. Bête marron, ouais non, ça sert à rien. On va la laisser ici. Voilà. De toute façon, quand on dort, hein, j'ai envie de dire. Enfin, après, c'est vrai qu'on peut manger. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Allez, du coup, étage moins 3, donc je sais pas si je l'avais dit, mais il me semble que l'épisode spécial numéro 2 va faire 4 épisodes après téléport, donc c'est ça. Un petit peu de caméra. Ok, il y a plus de 7 de nœuds. Armaldo, ça va devoir assez rapide. On va utiliser notre attaque ordinaire un petit peu. Ah, et piège en plus. Tout se déplacer, d'accord. Avec un Nagal. Ouais. Voilà, aucun effet sur Toutoudou. Bon. Avec Barbicha, lui, il est chaud. Par contre, Barbicha est chiant. J'ai l'impression que Barbicha est très chiant. Ok, l'escalier est là. Du coup, l'étage moins 4 de la caverne de l'Est, les gens. En fait, vous pouvez observer un passage, je peux oublier d'en parler, parce que j'y pense pas. Vous pouvez observer un passage, un nouveau layout, parce que c'est spécial, il est pris par Masco, merci à toi. Masco avec E-A-U à la fin. Pas Masco, pas comme Masco le Pokémon. Il y a un E-A-U à la fin. Même si la référence est bien sûr pour Masco. Dans son pseudo. Donc du coup, merci à toi. Et pour l'épisode spécial 1, j'aurais dû faire un layout. Spécial, c'est vrai, mais j'y ai pensé que trop tard. Et par contre, pour l'épisode spécial 2, la partie 1, donc qui est sortie la semaine dernière, il n'y avait pas de layout, parce que simplement parce que j'aurais mis Armaldo et Doudou, enfin surtout Armaldo, du coup ça aurait un peu spoilé. Donc je me suis dit que ça allait peut-être être une mauvaise idée de mettre un layout dès l'épisode 1. Donc du coup, voilà, au moins comme ça je vais donner la raison. Donc en tout cas, j'espère que ce petit layout vous plaira. Tout simplement. Alors, on va voir, c'est quoi en bas là? Y'a rien. Par là, y'a quoi? Donc, je suis savoir. Armand, tu t'en occupes? Merci. Voilà. Ok, y'a un barbichat qui dort, on va le laisser dormir. Hein. Avec l'étage moins 6. Avec un Magikarp. D'accord, ok, Magikarp. Bon, Magikarp, comme prévu, c'est un peu de la merde, hein. Aïe, j'aurais jamais dû faire ça moi. Là je suis con, je me suis auto-niqué. C'est pas grave. Mais je me suis vraiment fail hein. De laisser. Bon, il y a l'MBRAN qui est juste là, tout ça. Ok, avec une pomme. On va laisser Armaldo s'occuper de Barbicha un petit peu. Voilà. Avec l'escalier. Alors on est toujours à la recherche de l'escalier. Échappeur, ok. Nous sommes toujours à la recherche de l'escalier, les gars. Calme-toi. Voilà. Tu prends un peu trop tes aises. Barbicha. Ok, l'escalier là, avec le storm. Oh, y a plein d'objets en vrai. On va pas s'en servir. Ouais, y a déjà tout ça, quoi. En vrai, y a plein d'objets. Je pense qu'en fait, je vais même pas passer par le cap. Là, je vais carrément faire un tri directement dans le sac.
Je ferai ça en off, bien sûr, parce que c'est, si je suis sans vidéo, ça prend trop de temps. Mais ouais, je pense que vraiment, faire un tri directement sur, en jetant des objets, ça risque d'être le mieux, parce que sinon je risque d'avoir trop d'objets, ça risque de déborder. Et ça serait dommage. Étage moins 8, ça. De la caverne de l'Est. Avec une gravel roche, 4 gravel roches d'ailleurs. Un sac de nœuds qui se fait OHKO par pistolet à haut de Bambicha. Avec une folie graine, ça c'est cool ça. C'est un objet plutôt utile. Enfin, très utile. En plus, je crois que dans la voiture principale, si je fais pas de bêtises, les folies graines on les trouve pas. Avec niveau 18 pour tout doudou, excusez-moi, mon chien m'appelle. Je reviens tout de suite. Ouais. Donc quand je disais mon chien m'appelle, hein, c'est en fait en gros une clé de rampe pour que je lui apporte son panier à mes pieds. C'est assez. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant la petite coupure. Donc niveau 18 pour tout doudou. Avec plus 5 en PV. C'est pas de refus. Des barbichats, enfin un barbichat et des. Et un sac de nœuds, excusez-moi. Ah, bienvenue. Merci, à bientôt. Bon, on va rien acheter. Hop. L'escalier était là, c'est parfait. Donc, on va passer directement à l'étage 9. Enfin, moins 9. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai aucun souvenir de combien fait les donjons. C'est vrai que les donjons des épisodes spéciaux. Je les retiens pas spécialement. Oui, c'est vrai que je les retiens pas spécialement. C'est bon, à part évidemment Kunotor. Parce qu'il y avait que la caverne étoile en fait, hein, dans l'épisode spécial de Kunotor. Et tout doudou qui fait écrafasse. Le ruban force plus augmente vraiment sa puissance. Il y a rien ici, ouais. Donc l'escalier est en haut, forcément, c'est logique. Avec un Nagal. Et Barbicha qui dort, on va laisser Armalto s'en occuper. Voilà. L'escalier, je pense que l'escalier est ici. Avec une baie orange, c'est cool ça. Voilà, merci pour ton aide. Avec deux Magikarp. On va se dépêcher un peu parce que là, voilà. Ça faire non plus. Ok, il n'y a plus de Magikarp et un escalier là, on va passer donc étage moins 10. Alors je suis un peu étonné que ce donjon soit aussi long que ça. Si mon souvenir c'était pas le cas. Enfin en fait je peux vous mentir, j'ai aucun souvenir. Ah bah ok, seulement 10 étages. On a fait un bon bout de chemin. Le trésor. Je me demande où il est. Oh, vous voyez cette lumière là-bas? Allons voir, c'est de plus près. Wouah, c'est fou. Qu'est-ce que c'est? Wouah, c'est complètement fou. Il y a une porte là. Je pense que le trésor se trouve derrière cette porte, pas vous? Dépêchons-nous, en avant, en avant. Attends, petit! Quoi? As-tu pas remarqué la configuration particulière de cette pièce? Fais bien attention! Il doit y avoir un truc derrière tout ça! Un truc? Oui! Je suis quasiment certain qu'un trésor nous attend derrière cette porte, mais. Le problème, c'est que nous devons d'abord trouver comment l'ouvrir. Regarde au-dessus de la porte. Tu vois ce motif qui ressemble à un œil? Je pense qu'en plaçant une pierre ou autre à l'intérieur, quelque chose devrait se produire. Mais il y a aussi les deux rondins de chaque côté. Les trous au sol sont suspects aussi. Ce pilier aussi. Il y a un étrange interrupteur au bord de cette fosse. Si on dépasse le pilier le long de la fosse pour le placer sur l'interrupteur, quelque chose devrait se produire. C'est classique. Ce genre de mécanisme est en général assez facile à identifier. Et tu vois ces pics sur le mur? Regarde bien. Elles aussi, elles doivent servir à quelque chose. C'est quoi ce cristal là? Si tu touches ce cristal, ça déclenchera quelque chose.
J'imagine que la couleur du cristal changera et que quelque chose sortira du sol. Ou un truc dans le genre. Oui, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, je pense que ce machin-là aussi doit avoir son importance. C'est plutôt suspect de trouver un mécanisme aussi déconcertant dans un tel endroit. On dirait que quelqu'un s'est vraiment donné du mal pour empêcher les intrus d'entrer là-dedans. Il faut un œil aguerri pour déceler tous les détails de cet ingénieux mécanisme. Compris. Alors il faut faire tout le tour et tout toucher. Non, malheureux! Ça pourrait condamner la porte à jamais. Et en plus, il y a des pièges. Ah bon? D'accord. En somme, hein, ce lieu regorge de dangers. Il nous faut procéder avec la plus extrême prudence. Oui, compris. Youpla! Ah! Ah, quoi? Tada! J'ai réussi! Je l'ai ouverte! Par la barre de... Vite, vite, on y va! Mais bon sang, qui est-il? Eh, vite, vite! D'accord. Waouh. Ouais. On va voir ce qui se passe derrière... On va voir ce qui se cache derrière la porte. Il y a un trésor. Mystère. Oh! Il y a un coffre là-bas! Ouvrez-le et regardez! Vite! Allez, vite! À l'intérieur se trouve la défense sphère. C'est... Waouh! C'est joli! C'est quoi? Il s'agit d'une défense sphère. Une défense sphère? Youpla, yaou! Oh! C'est un objet très précieux. Il est très difficile de mettre la main dessus. C'est un objet exclusif destiné aux Pokémon de type insecte. Hé! Tu écoutes ce que je te raconte? Oui, oui, j'écoute. Je suis pas sûr de comprendre, mais c'est vraiment chouette. On a réussi. Qu'est-ce que... Il est heureux comme tout. Il ne connaît même pas la valeur de cet objet. Et pourtant, ils sautent de joie. On a réussi, on a réussi! Youpla, yaou! Il a fait preuve d'une intuition hors du commun en ouvrant cette porte tout à l'heure. Ce gamin est... Youpla, yaou! Ah! Ce gamin... Il est difficile à cerner. Un talent insoupçonné, insaisissable réside en lui. Je pense que... Ce gamin a un don inné. Pour un explorateur... C'est un atout indéniable. Hé, les explorations, c'est super chouette! Je m'attendais pas à ça! Ouais! Maître? Maître? Moi? Oui, tout juste! Le maître des explorations. Maître, j'ai une faveur à vous demander. S'il vous plaît. Prenez-moi comme apprenti, s'il vous plaît. Apprenti? Non, non, très peu pour moi! Je vois vraiment pas en train de m'occuper d'un apprenti. Et en plus, j'ai laissé tomber les explorations depuis belle lurette. C'est trop tard. Je peux plus m'occuper de ce genre de choses. Mais... Vous êtes bien parti d'une exploration aujourd'hui, pas vrai? C'est vrai, hein, pas vrai, hein, maître? C'est-à-dire que... Je m'étais jamais autant amusé. C'est un peu comme si quelque chose avait changé en moi. Je veux continuer à explorer. Enfin, j'aimerais bien. S'il vous plaît, prenez-moi comme apprenti, maître. Maître, s'il vous plaît. Ouais, il s'est même mis à genoux, c'est-à-dire qu'il y... c'est-à-dire s'il y tient. C'est-à-dire s'il y tient, pardon. D'un autre côté, avec son corps tout rond, difficile de voir s'il est vraiment agenouillé. Que faire? Ce serait extrêmement risqué pour moi de reformer une équipe et de repartir en exploration. Mais ce gamin a un tel potentiel, c'est fou. J'aimerais beaucoup voir jusqu'à quel niveau il peut aller en être comme explorateur. Ça m'ennuie un peu de faire équipe avec lui, mais ce n'est pas tout. Ça m'a vraiment frappé. Je pense que je pourrais me remettre à explorer du moment que c'est avec lui. Soit. J'ai pris ma décision. Tu peux devenir mon apprenti. Va vraiment? Mais... Mon entraînement est très strict. Si tu ne parviens pas à te faire à mes méthodes, alors on arrête aussitôt. Youpla, j'ai réussi, merci.
You fly, you. Et c'est ainsi que le maître m'a reconnu comme son apprenti. Et qu'il est redevenu explorateur. Donc le maître et moi-même, nous sommes partis ensemble en exploration. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Non, je déconne. Je suis si content que vous soyez d'accord pour vous occuper de moi. Maître, pour m'occuper de toi. Eh, minute. Je n'ai rien promis. Si ton comportement ne vous convient pas, vous êtes trop dur avec moi, maître. Comment veux-tu qu'on devienne une excellente exploration si tu réagis comme ça? Eh, je suis fou de joie. Je m'amusais tellement depuis que le maître m'avait pris comme apprenti. Bon, je sors. A plus tard. Fais attention. Tout le matin, je suis en train de rêver, je me rendais à la maison de mon maître. Nous dérouillons la carte et nous cherchons un endroit à explorer. Hé maître, allons explorer cet endroit aujourd'hui. Cet endroit, appelé le bout du monde. Allons, allons. Nous n'avons aucun moyen de nous rendre dans un tel endroit. Nous décidions ensemble de l'endroit où aller, comme de vieux amis. Puis on partait explorer sur le champ. Wouah, un trésor. Ne sois pas si insouciant. Il pourrait y avoir un piège. Mais maître. Il y a rien de grave. Je lui porterai secours plus tard. Le maître et moi nous formions une superbe équipe et nous avions trouvé plein de trésors tous les deux. C'est comme ça que nous sommes passés d'une exploration réussie à une autre. Quelques mois plus tard. Waouh, incroyable! Il y a tant de trésors, maître! Très bien. On ramène tout ça avec nous. D'accord! Ce n'est vraiment pas n'importe qui, ce gamin. Ça fait quelques temps maintenant qu'on part en exploration ensemble. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué pour l'exploration. J'en suis sûr. Ce gamin est un vrai surdoué de l'exploration. Maître, vous faites quoi? Vite, vite, allez! Oui. J'arrive. Belle moisson de trésor aujourd'hui, pas vrai? Hihi, victoire, victoire! Dites, maître, on va où demain? Comment? On vient à peine de finir notre exploration du jour que tu réfléchis, tu pars déjà de ces deux demain? Tu es un peu trop impatient. Ceci étant dit, je parie que notre destination de demain sera encore plus fructueuse que celle d'aujourd'hui. Vraiment? Oui. Demain, nous allons au Ravin Oben. Une rumeur laisse à penser qu'il y aurait une tonne de trésors là-bas. Oh, merveilleux! Je suis pressé d'y être! C'est là qu'on va demain! Sûr! Ouais. Tu arriveras à retrouver ton chemin à partir d'ici? Oui! Pas de problème! Soit! Dans ce cas, on se retrouve chez moi demain! Et nous nous rendrons ensemble au Ravin Oben! Oui! Au revoir, maître! À demain! Pfiou! Il ne change pas celui-là! Toujours aussi guéri! Être guéri, c'est bien, mais. Lui, il est tellement que ça m'épuise! Je devrais rentrer, je suis exténué! Il faut bien admettre que la gaieté, c'est courageux. Ce Pokémon... Pas de doute. C'était... Le lendemain matin. On va s'arrêter là, les gens, je pense, pour cet épisode. On va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Donc, en tout cas, j'espère que la partie 2 de Toudoudou le surdoué vous aura plu, les gens. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à me faire part en laissant un pouce bleu et un commentaire. Les gens se retrouvent bien mercredi prochain pour la partie 3 de l'épisode spécial, donc numéro 2, Doudoudou le surdoué de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Vous avez vu donc qu'il y a un Pokémon assez suspect, un Nidoking, qui, eh bien, c'est assez suspect tout ça. Hein. Je pense que l'épisode 3, enfin la partie 3 donc de l'épisode 2, Doudoudou le surdoué, nous en dira davantage sur ce fameux Nidoking. Allez, ciao, bye tout le monde, c'était Et les câbles baissent.